ça? Bah, c'est mon maquillage. Ah, mais tu te maquilles chez Amora ou quoi? Allez, avec ça dans tes placards. Trop moche. Bon, tu ressembles à rien, mais c'est pratique. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ses propres produits de beauté, son propre maquillage si vous êtes un jour en rade ou que vous voulez faire vos propres produits ou que vous voulez vos propres couleurs. Alors on va commencer en faisant ses propres rouges à lèvres avec des Crayola, oui. Oh non, moi j'ai toujours mal colorié, à chaque fois je déborde. Ok, donc oui, on va utiliser des Crayola, c'est clean, hein, y a pas de souci, c'est juste de la cire et on va rajouter dedans de l'huile de coco, donc c'est plus safe que ce qu'on peut trouver sur le marché. Pour faire ses propres rouges à lèvres, on va chercher une boîte de Crayola et de l'huile de coco. Ça, vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques bio ou sur internet. Si vous avez des Crayola de taille normale, vous faites fondre la totalité du crayon avec une cuillère à café d'huile de coco en mélangeant bien jusqu'à ce que ce soit hyper homogène. Si c'est trop transparent, ajoutez du Crayola. Si c'est trop compact, rajoutez de l'huile. Versez le tout dans un petit récipient, attendez que ça refroidisse et vous pouvez enfin l'appliquer. Pour bien le mettre sur vos lèvres, comme c'est très compact, prenez-en un peu, mettez-en sur votre main et chauffez-le en le frottant avec votre doigt. Il s'applique beaucoup mieux quand il n'est pas froid. Là, vous pouvez voir le résultat quand je porte la couleur de Crayola rose clair. Ensuite, quand je porte ma préférée, c'est la couleur fuchsia. Et quand je porte la couleur rouge. Rajoutez un peu de baume à lèvres par-dessus si vous le souhaitez et vous avez votre propre teinte de rouge à lèvres perso. Ensuite, on va faire sa propre poudre. Enfin, quelque chose d'intéressant. Poudre matifiante pour le visage. Non, mais je sais, hein. Elle est où, la poudre? Je les connais pas. Donc oui, on va faire sa propre poudre matifiante faite maison. Pour faire notre propre poudre, on va mélanger de l'argile blanche en poudre, car c'est ce qui va absorber l'huile et donc matifier la peau, et de la poudre de maïs, donc en fait de la maïzena qui matifie également. Surtout, pensez bien à mélanger avec une cuillère en plastique ou en bois, pas comme je suis en train de faire, mais j'avais pas ce qu'il fallait sous la main. Pour faire la teinte et la faire matcher à votre couleur de peau, on va prendre du cacao, dégraissé bien sûr, sinon ça va juste regraisser votre visage, et vous allez le mélanger à l'argile et la poudre de maïs. En fonction de votre couleur de peau, vous pouvez rajouter du turmeric qui a une teinte jaune-orangée, ou de la cannelle qui a une teinte rosée, ou encore de la poudre de betterave qui a une teinte plutôt rouge. J'ai opté pour un peu de turmeric avec du cacao et ça matche complètement ma teinte. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur votre visage, en plus ça sent le chocolat, c'est juste excellent, et ça vous donne le même résultat qu'une poudre libre achetée dans le commerce. Et si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez. On va ensuite partir sur un eyeliner fait maison avec de l'huile de coco et des noix de cajou qu'on va brûler puis écraser. Et si vous voulez pas faire ça, vous prenez juste des pigments, donc du fard à paupières écrasé, et ça marche aussi. Pour faire votre propre eyeliner, on va utiliser des noix de cajou ou n'importe quelle noix et de l'huile de coco. Alors attention, on va jouer avec le feu, donc prenez bien vos précautions ou faites-le avec un adulte si vous n'en êtes pas un. Je place une feuille d'aluminium sur ma table pour ne rien brûler et je place ma noix de cajou sur un cure-dent. Là, je vais l'allumer avec un briquet ou une bougie et je vais l'enflammer. Encore une fois, faites bien attention, de toute manière, si vous la lâchez, ça tombera sur l'aluminium, donc pas de risque là-dessus. Une fois qu'elle est complètement carbonisée, vous pouvez la réduire en poudre avec une cuillère ou ce que vous avez sous la main pour que ça devienne une poudre très très fine. Bien sûr, vous pouvez prendre simplement du fard à paupières noir pour ce résultat, mais je reste dans le naturel pour cette vidéo. Je rajoute ensuite de l'huile de coco pour fluidifier la poudre, vous attendez que ça sèche un peu, et voilà! Vous pouvez remplacer l'huile par un peu de vaseline, du primer pour les yeux ou de la cire d'abeille. Pensez bien à fixer votre trait avec de la poudre pour ne pas que ça bouge trop, et vous avez fait votre propre eyeliner! Bravo! Ensuite, pour virer tous ces trucs comestibles qu'on a mis sur notre visage, quoi de mieux qu'un autre truc comestible? Donc on va faire un démaquillant avec de l'huile. Et enfin, la petite astuce pour se démaquiller hyper simplement, c'est de prendre un petit flacon et de remplir la première moitié avec de l'eau en bouteille et l'autre moitié avec de l'huile d'olive vierge. Vous secouez bien le flacon pour mélanger le tout et vous en versez un peu sur votre coton. Ensuite, je vais pas vous dire comment vous démaquiller, hein, mais ça part aussi bien qu'avec un vrai démaquillant. Ça peut vraiment vous sauver quand vous êtes à court de démaquillant ou que vous ne dormez pas chez vous. Rincez ensuite votre visage avec de l'eau pour enlever le surplus d'huile et tout votre maquillage est parti! Et on va finir avec mon produit maison préféré, le shampoing sec. Attends, tu t'es gouré. En fait, t'as dit shampoing sec, mais c'est liquide en fait un shampoing. Non mais c'est du shampoing en poudre. Quelle poudre? Où ça? Pour le shampoing sec, on va faire quasiment la même chose que pour la poudre libre, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'argile blanche, toujours avec une cuillère en plastique ou en bois, pas comme moi. Disons que vous en mettez deux, et vous allez mettre une cuillère de maïzena.
Si vous êtes très très blonde, vous pouvez laisser la poudre telle quelle, mais plus vous êtes brune, plus vous allez devoir rajouter du cacao en poudre. Alors je vais me répéter, mais utilisez bien du cacao dégraissé, on va pas s'embêter à faire un shampoing sec si c'est pour les regraisser avec du chocolat juste après. Vous mettez le tout dans un petit flacon, vous en saupoudrez sur vos racines en séparant vos mèches à chaque fois pour bien en mettre partout, massez bien votre crâne avec vos doigts pour que la poudre s'applique partout et attendez 10-15 minutes pour que le sébum soit bien absorbé. Ensuite, brossez vos cheveux pour retirer le surplus de shampoing sec et voilà, plus de gras dans vos cheveux, le top. Pour le concours, je vais pas vous faire gagner des DIY, ce sera un petit peu bizarre, vous pouvez faire ça chez vous. Du coup, je vous fais gagner la pochette qu'on a vue au début de la vidéo, qui vient de chez H&M, attention hein. Donc si vous la voulez vous screener, hop, un lot de vernis si vous voulez vous faire des petits nail art spiteés, et le collier que je porte en ce moment. Donc si vous voulez un des lots, vous prenez une photo, vous la postez sur votre compte Instagram ou Twitter et vous mettez le hashtag concours OND. Voilà, c'est tout simple. Pour les gagnantes de la semaine dernière, les noms s'affichent juste en dessous, donc félicitations à elles, bonne chance à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Chérie, vu ton maquillage, tu fais quoi là? Ah rien, en fait je suis en train de te faire un émincé de rouge à lèvres sur son lit de mascara avec une sauce fond de teint, tu vas kiffer. Hey, si tu veux continuer de suivre mes tutos, abonne-toi.